s'il est arrivé le bateau, il n'y est pas. C'est juste pour vous montrer le bâtiment. Avant, c'était le théâtre d'Ajaccio. Donc, il y a eu un incendie, une partie a été détruite. Et ce qui s'est passé, c'est que donc ils ont restauré le bâtiment et ils l'ont transformé en poste, en bureau de poste. Le bâtiment que vous avez ici sur la droite, c'est le c'est la préfecture. C'est la préfecture de région, c'est donc le palais Lantivy, c'est aussi un bâtiment du 19e siècle. Regardez le bateau qui arrive. Hein. Alors on va toujours tout doucement, piano piano, et on va se diriger donc sur la droite ici. Regardez la couronne, hein. Vous voyez en haut, au-dessus de la place de Gaulle. Au fond de cette place, vous allez apercevoir un monument dédié bien entendu à Napoléon et à ses frères. Donc vous avez Napoléon à cheval, entouré de ses quatre frères. Si vous n'êtes pas trop fatigué, on pourra venir jusqu'ici tout à l'heure. On verra. Alors ici, toujours tranquillou, hein, regardez, c'est une artère. Alors c'est bien le matin parce qu'il n'y a personne. Vous voyez, c'est tranquille. On va quand même laisser passer ces gens. Il n'y a pas d'embouteillage. C'est vraiment la lecture qu'on a sur la Riviera, hein, sur la Côte d'Azur, Nice, Cannes, etc. Donc aujourd'hui, c'est la collectivité de Corse. Ensuite, vous allez remarquer sur la droite et sur la gauche, vous avez des villas plus ou moins grandes, que l'on a appelées d'ailleurs cottage, cottage à l'anglaise, hein, pour vous montrer aussi enfin l'importance des Anglais sur Ajaccio. Vous allez apercevoir sur la droite, il y a toujours des grilles. On a même construit une église anglicane. Alors l'église.
Donc quand on vient pour leur montrer la grotte, on voit la transformation dans le visage. Hein. Ils s'attendaient à voir quelque chose de vraiment très monumental, mieux mis en valeur, etc. Alors que voilà, c'est ça. Donc c'est vrai qu'on... Bizarre. C'est le bateau qui me fait trembler. Ah. Avec les lazarets, c'était comme des hôpitaux construits à l'extérieur des villes pour mettre les bateaux, les marins, les pêcheurs en quarantaine pour qu'il n'y ait pas de maladie dans la ville et notamment ici dans la ville d'Ajaccio. Et donc on raconte que les gens malades, on les appelait en Corse, donc en langue corse, i sanguinari, ceux qui ont le sang noir, ceux qui ont le sang malade. Et i sanguinari, on pense que ça, par des de 710 mètres d'altitude. On a de très nombreux sommets à plus de 2000 mètres d'altitude. D'accord ? Alors, par exemple, d'ici d'Ajaccio, on n'a pas loin d'ici une station de ski, la station du Val d'Aise. C'est ce qu'on appelle le musée, le palais pêche, musée des Beaux-Arts. On est arrivé, et ensuite, de ce côté-là, on a un bâtiment complètement différent. Il suffit de regarder, hein, de comparer les deux. C'est ce qu'on appelle la
et les messieurs bénéficiaient bien sûr des terrains, les alpages comme on appelle, hein, qui étaient bien sûr réservés aux messieurs qui avaient leurs troupeaux. Et juste retour des choses, enfin dirons-nous, si l'on peut dire ça, c'est que dans les années 1970, au moment où la Corse s'ouvre sur le tourisme, eh bien, tous ces terrains au bord de l'eau, eh bien, qui a été bien sûr construit rapidement, vous voyez, dans les années 1970, petite population locale en plein hiver. Ce soir, on va revenir par cette route que vous voyez, les amis qui sont tout à fait au fond, c'est peut-être le village de Sagone, les petits villages de pêcheurs, hein. Bonne soupe de poisson, vous avez les langoustes, en fait. Elles sont abordables quand même, son petit repas avec... Mais lui aussi, il était charcutier, mon mari. J'ai pris un charcutier, j'en ai pris un autre. Chèvres. On aura peut-être le bonheur d'en voir quelques-unes. Vous voyez ces petites maisons qui sont en train d'être restaurées, maintenant malheureusement abandonnées depuis débuté par Bastia Portovecchio, Portovecchio Ajaccio et Ajaccio Calvi où ils ont embarqué. Et donc il y a eu l'étape, la fameuse étape Ajaccio Calvi, très, très douloureuse, hein, pour les jambes qui prenaient ce chemin-là. Et donc il y a eu des photos magnifiques de ces calanques que vous allez voir dans un moment. Le mois de septembre. Piana. Là aussi, vous voyez que l'arrière de l'église est en demi-lune, cul de four. Donc, première présence Pise, deuxième présence les Génois et le baroque. A été agrandi et un peu ralenti parce qu'il y avait des travaux importants, et on a préservé les arbres. Rapidement sur votre gauche, vous allez voir des eucalyptus plantés au 18e siècle. Alors ils régularisent la circulation parce que tous les ans on a des bouchons énormes. Imaginez deux cars qui se rencontrent, ou deux camping-cars. C'est bouché, bouché, voilà ce qu'il dit. Alors, on mange. Vous voyez en silhouette aussi là, et vous voyez ces fameuses calanques. Il devrait monter là. C'est dommage que là, si j'ai fait la brume. Je fais la circulation. Thank you.
Nous sommes ici au point le plus bas de la ville, à 361 mètres d'altitude. Rappelons qu'avec ses 80 km, il est le deuxième plus long fleuve de Corse, juste derrière le Golo, qui lui s'étend sur 83 km. Et également l'hôpital militaire, hein, la caserne Padoue. Maintenant, on a des places pour l'université de Corse. Et cette partie a été entièrement réaménagée par la Légion étrangère. Il y a des travaux qui ont été faits, il y a un donjon, un cachot, il y avait une cuisine, des latrines. Thank you.
la vallée du Gaume. Il prend sa source dans la Palia Orba, qui est l'un des sommets les plus hauts de l'île. Et puisqu'on en est dans nos révisions, vous me rappelez le... J'ai cru que c'était un roulement de tambour. Oui. Voilà, messieurs, dames. Alors. Thank you.
Chacun sa chacune. Alors on va arriver, on l'a dit, Pascal va nous déposer à hauteur du quai, nous allons descendre vers... Thank you.
peu dans le restaurant là-haut. On est donc à l'intérieur, à Rocroi de mon père. Et là, on va donc tourner. Donc, on l'appelle la caverne d'amour. Après la légende, il paraît que si un couple passe la nuit entière à l'intérieur de cette grotte, il reste uni, il reste amoureux pour toute la vie. Donc, s'il y a des volontaires, on vous laisse. Si on vous récupère demain matin avec du café et des croissants. Des nacres géantes, des poulpes, des sèches, des langoustes, des homards, poissons lune, Saint-Pierre, Mostel, Corbe, Chapon, Rascasse, Chirel, Paon, Blény, Castagnol, Rouget, Mulet, Saupe, Farine et de Psy. Les canons explosent et tombent à la mer à la fin du film. Ces marches à l'intérieur de la falaise qui ont été creusées en 1880. Je me rappelle, ce jour-là, il faisait pas beau. Voilà, sur l'avant gauche du navire. Alors, c'est bien comment dans les falaises, c'est les fameux escaliers du roi d'Aragon, Alphonse V, roi d'Espagne et de Sardaigne et de Sicile. Il a 110 mètres. On y trouve aussi un très beau chemin de randonnée qui parcourt le haut les falaises, qui est en partie une ancienne route romaine. Vous pouvez faire une très belle balade là-haut. Vous pouvez même emmener belle maman avec vous. Comme ça, vous aurez l'occasion de donner un coup de pouce à la relation familiale. Je comprends pas, d'habitude il est toujours là, tel là.